Alors donc, dis-moi tout. Tu manges pas tes créoles, toi? Ah ben voilà, aujourd'hui on va bien voir comment se fait le pâté créole traditionnel hein, selon notre amie ici présente. Voilà. Préma. Préma. Ah c'est une nouvelle vidéo, excusez-moi. Oui, c'est une nouvelle vidéo. Préma, parce qu'il y a aussi Jean-Marie Gratouille avec nous. Oui, Préma est une agricultrice, elle fait du bio. Mais elle a des grandes qualités culinaires aussi, que j'ai appris que j'ai apprécié puisque j'ai fait des commandes de pâté créole. Et comme j'ai su que je passais dans Canal Austral, je voulais vous faire connaître cette femme de qualité, Saint-Andréenne, parce que la qualité à Saint-André. Et aujourd'hui, le pâté créole traditionnel. Parce que la tradition, c'est pas la confiture, hein. La tradition, c'est à la viande. C'est la viande. Confiture, elle est bon aussi. Hein. Voilà, voilà. Alors, t'es pas tout seul parce qu'il y a Stéphane aussi avec nous là. Et puis après, il y a Alix aussi avec nous ici, un grand cuisinier devant l'Éternel. Bon, c'est trop dit, mais bon, voilà quoi. Voilà, j'aime bien connaître aussi les bases quoi. Voilà, voilà. On va parler pâté créole avant qu'on commence un petit peu. Hein. Alors, Julie, est-ce que tu savais que le pâté créole, il y avait le mou? Et puis il y avait le petit touffe qu'on mange. Vous venez là, hein? Attends, après, dis-moi là, tu vois, quand il touffe, quand il mange, là, c'est les oui, secs. C'est que c'est. Il faut accompagner avec un petit vernisette. Voilà. Ah, oui, consommer avec modération, s'il te plaît. Le petit Marie-Brisa. Voilà. Ça, c'est la tradition. Voilà. Mon grand-père, bon, qui est décédé maintenant. Il y avait son pâté créole avec un petit goût de Marie-Brisa. Voilà. Alors, on parle beaucoup de pâté créole ces derniers temps parce qu'on est en fin d'année. Hein. Alors, le pâté créole, hein, où fais-tu comment? Avec de l'huile, du beurre ou bien de la graisse? Voilà, je fais avec du sovaco. Oui. Je fais du beurre de sovaco, de micelle, de micelle. Sovaco, c'est une marque. Hein. Voilà. Et bon, on ne paye pas nous. La tradition, il veut que. On va dire, voilà. D'accord. Je fais aussi avec du saindoux. Oui, mais on trouve encore du saindoux actuellement. Il trouve, mais pas facilement. Pas facilement. Mais il trouve quand même en grosse surface. On n'a pas fait de la pub. Oui, oui, mais on trouve encore du saindoux. On trouve quand même. Le vrai pâté créole à l'origine était fait avec de la graisse. La graisse, je fais aussi avec graisse d'oie pour ceux qui veulent. Ah oui, on peut aussi faire avec voilà, de la graisse d'oie. Voilà, on peut aussi. D'accord, alors, mais c'est impressionnant ça. Hein. Et là, aujourd'hui, on va au beurre. Là, on va faire au beurre et au poulet parce qu'on peut faire aussi avec du saindoux et avec de la viande de porc qui est excellent aussi. Voilà, voilà. Et dis-moi, est-ce que le pâté créole, hein, à l'origine, était salé ou sucré? Ben, à l'origine, quand il disait pâté créole, il disait même pas à la confiture, c'était salé. Oui, oui. C'était au porc, au poulet. Voilà. Et voilà. Et peut-être que Julie connaît. Julie, tu sais qui les premiers ont ramené le pâté créole à La Réunion? Qui est le premier? Les Chinois, oui. Ah, parce que c'est quelque chose qui était ramené. Non, oui, non, non, mais en fait, c'est les premiers Chinois. Les Chinois dans la boutique longtemps. D'accord, c'est les premiers Chinois qui vendaient leur pâté créole dans la petite vitrine en bois, là. Hein. Et d'ailleurs, les Chinois, c'était les premiers pâtissiers de La Réunion. Ben, là, exactement, exactement. Donc, on doit ça. Voilà. La pâté, c'est pourquoi on ne dit pas pâté créole au crème de marron, je vais dire pâté au crème de marron. Ouais. Et un petit coucou spécial à Sabine Dijou, ma copine. Et on va dire aussi pâté à la papaye. À la papaye. Parce que si on dit pâté créole, c'est vraiment la viande. Voilà, hein, le pâté créole à la papaye séché sur la tôle. Voilà. Hein, confiture de papaye. Hein. Confiture de papaye entier séché sur la tôle et arrivé en fin d'année ensuite dans le pâté créole. Il glisse délicatement dans le pâté créole. Voilà. La confiture de papaye, c'est le goût de mon enfant. Exactement. Et que penser de ceux qui disent, parce que c'était un débat tout à l'heure qu'on a fait avec Calix de toute la et tout ça, hein, le pâté créole avec boucané dedans. Pourquoi pas? Aujourd'hui, ça, c'est original de faire les revisites. Oui, oui. Donc, le pâté créole n'échappe pas à la mode. Et il y en a pour tous les goûts, pourquoi pas? Bah oui, je trouve que voilà. Voilà. Et donc maintenant que nous avons fait le tour du pâté créole, nous allons découvrir le pâté créole. Ah, vous connaissez le pâté créole au bout des doigts, hein? En long, large, en travers. Bah oui, parce que Préma prépare pas mal. Et moi, je suis là pour justement goûter et voir la qualité de ce qu'elle fait. Voilà, voilà. Et là, moi, j'arrête pas de manger des pâtés. Voilà, voilà. Est-ce qu'on peut dire que le pâté créole... Ah, ben, écoute, tu nous as rejoint. Est-ce qu'on peut dire que le pâté créole, c'est vraiment le dessert de fin d'année?
Oui, oui. Oui, on mange chaque fois de l'année. C'est ça. Hein, c'est une tradition. On peut manger tout au long de l'année, mais après, c'est la tradition du premier. D'accord, mais bon, alors. Hein. Et Julie, vous préférez qu'elle tout fond ou bien quand elle est un petit peu molle et qu'elle est un petit peu plus gras? Oui, un petit peu plus gras, on va d'accord, dire. D'accord, d'accord, d'accord. En tout cas, un grand merci à nos aînés hein, qui nous ont perpétué cette tradition, qui nous ont appris. Surtout moi, j'ai commencé mes premiers pâtés, petite pensée spéciale, à ma tante Céline, ouais. Dont je remercie, c'est elle qui m'a montré comment faire, ouais, ouais. Et c'est comme ça que ça a démarré. Ouais, ouais, ouais. Je vais voir un petit coup Jean-Marie pour lui parler de ma tante. Oui, parce qu'il y a ma tante, il y a ta tante, il y a sa tante, et puis après il y a la nôtre aussi. Hein. Pourquoi les créoles disent toujours ma tante? Ah oui, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est resté dans la tradition. C'est resté dans la tradition. Ah, oui, 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 oui. Ma tante. Ma tante, c'est une façon de s'approprier finalement. Ma tante. C'est côté allez, affectif. À moins, ça parle à mon ça. Avis, à mon avis, c'est un côté affectif. Oui, ouais, 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 ouais. Ouais. Et on peut dire aussi ma tante. Ma tante, oui. Voilà. Faut bien marquer. Ah, ouais, ça, c'est ouais, mon, ouais, ouais. Mon ma tante. Mon ma tante. Voilà, excuse-nous. Pas du tout, au contraire, fais penser à moi, un peu à ma mère patrie, on va dire. Parce que la Réunion, c'est ma mère, ma maman de cœur. Ouais, ouais. Chez nous, on dit voilà. Ma tante. Voilà, parce que tu es originaire de l'île Maurice. Hein, Maurice hein. De Beaubassin, coucou à la famille et aux Beaubassin, amis. Beaubassin, voilà, 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 un endroit que je connais bien, Beaubassin. Voilà, voilà dans le nord. Hein, voilà, nord-est. Nord-est, nord-est, voilà. Nord-est, on va dire. Hein. Je crois la richesse même de notre patrimoine se retrouve autant dans la langue qui s'est constituée avec tous les apports indiens, chinois, autant dans la langue que dans la cuisine. Voilà. Hein, on est en plein dedans. Exactement, exactement. Un bon métissage. Un bon métissage. Hein, voilà. Et ce soir, on parle tradition voilà. Avec ce fameux pâté créole hein, voilà, hein, qui a marqué notre enfance et nos parents et nos grands-parents. Parce que le pâté créole, il n'est pas là seulement depuis une génération, deux générations. Il est là depuis très longtemps. Hein. Voilà, hein, voilà. Et donc, tu vas commencer par quoi? De la farine. Je vais commencer par de la farine. Voilà. Je vais mettre une petite pincée, on va dire, de sel. Oui. Pas trop non plus, hein, parce que le sovaco est au demi-sel, déjà un petit peu salé. Voilà. Si vous mettez ça doux, là, vous mettez une petite cuillère de sel. Oui. 250 g de sel doux. Ouais, ouais. Voilà. Je vais mettre 2 cuillères de levure. De levure, ça, c'est pour faire monter un petit peu la pâte. Faire un petit peu pâté. Il y en a qui ne mettent pas, c'est pas obligé, hein. Ouais, ouais. Mais moi, m'y aime bien. Oui. Voilà, je vais mélanger un peu. Et là, il n'y a rien de plus pratique que la main pour pétrir. La main. Voilà. Parce hein? que après, pour la texture, on saura quand arrêter voilà, le pétrissage voilà, aussi. Hein? Voilà. Et Julie, il faut dire aussi que la main a été nettoyée, lavée. Ah, mais bien sûr. Désinfectée. Désinfectée. Les temps qui courent. Sous l'œil en tant que crise sanitaire. Là, voilà, exactement. C'est très sous bien l'œil vigilant et strict du médecin présent parmi nous. Les ongles bien coupés. Voilà, voilà, voilà. Hein. Alors, et évite que Julie pétrit hein, ce soir parce que hein, c'est pas bon ça. Hein, quand Julie pétrit, hein. Parce qu'elle risque d'oublier une bague à l'intérieur et comme c'est pas l'épiphanie, donc du coup on risque pas de trouver une fève à l'intérieur de la pâte, hein, c'est ça. Hein. Alors on va ajouter un petit peu d'anisette, safran et vanille pays. Alors anisette mélangée avec du safran et de vanille pays. C'est une petite astuce pour que. Quand on mange le pâté à l'intérieur, quand c'est cuit, il n'y a pas des petits points jaunes. Oui, oui, et quand on dit, mais c'est quoi mon safran? Ben, bon, non, c'est par rapport, là, quand vous allez mettre dans la misette, il va bien se diluer. D'accord, hein. Voilà. Et quand tu parles de safran, on parle bien de curcuma, alors. Hein? Curcuma pays. Voilà, voilà, voilà. Safran voilà, pays, voilà. Curcuma pays. Exactement. Donc, hein? Voilà, je le mets. Et c'est ça qui va donner la couleur jaune. Jaune et le bon goût. Hein, le pâté aussi, alors. Donc le safran. La misette pour... est très importante dans le pâté crème. D'accord, d'accord. Et il ne faut pas hésiter, il hein, ne faut pas mettre. Mais non plus. Monsieur, Jean-Paul, on va consommer avec modération aussi la misette. Voilà. Hein. À consommer, mais voilà, la quantité là. Un petit peu. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va. Je vais mettre des œufs. Jean-Marie, excuse-moi. Non, je suis désolé, mais. Du coup, ce n'est pas la première fois que ce soit que me fait le coup. Un hommage à notre papa ce soir. Paye-moi un bout de champagne. La prochaine fois. Hommage à Jean-Paul Drapoulet. Ouais, voilà, ce soir. Bien, qui regarde nous aussi, forcément. Ah, hein. Oui, forcément. Voilà, voilà. Un grand coucou. Voilà. Alors, je vais mettre des œufs. Voilà. Trois œufs, on va dire. Voilà. Hein? Et là, je vais mettre mon sucre.
Oui. À vous de voir, à partir de 100 grammes à plus, mais pas trop non plus. Voilà. À vous de voir. Même être 80 grammes. Voilà, la pâte, il faut qu'elle soit un petit peu sucrée alors. Hein, oui, aussi, hein. Voilà, voilà. Sucré-salé. Sucré-salé, bon, voilà, voilà. Ah oui, oui, Alex, heureusement aussi. Moi. Oh, et puis, il faut, dire, faut dire que. Sinon, je change de métier. Hein. Voilà, 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 exactement. Je vais mélanger un peu. Voilà. Par contre, pâté créole, c'est un travail de patience. Ah oui, parce que là, il faut pétrir, répéter et repétrir. Exactement. Hein, ça, c'est une expression c'est d'où mettre la main. C'est comme l'amour. Il y a Toto là-bas qui fait du bruit depuis tout à l'heure et là, il sort, c'est comme l'amour. Mais quand il dit pâté créole, il faut faire ça avec le temps, avec patience. Avec patience, c'est très clair. Mais vous faites ça avec le temps. Et ça, il appelle mettre la main à la pâte. Voilà, c'est ça, mettre la main à la pâte. Hein. On va mettre la main à la pâte une fois en temps. La prochaine fois. La prochaine fois. Mettre la main à la marmite. Ah bon, qui sait mettre la main à la marmite là, là. Ben, si vas-tu vous mettre la main à la marmite, vous arrivez à où? Mon gros marmite de riz est vide. Ben, il faut qu'on se mette le riz au feu là. Il faut y trouver un moule pour mettre du riz au feu. Bon, mais laisse à vous le choix de choisir. Bien sûr, qui sait mettre marmite là sur le feu. Hein? Il laisse ça là. Bon, mettez pas là. Alors, j'ajoute mon beurre en ce vaco. Voilà. Une alors, boîte entière. Hein? Une boîte entière et on va dire pommade. Ça veut dire on la laisse à l'extérieur, hors du frigo, au moins une nuit. Julie, connais l'expression pommade? Face à pommade? Non, on la laisse deux, au moins comme ça, le bureau est venu comme pommade. Ah, d'accord. Ah, écoute, d'accord. Ça, pas posant la question pommade, ça, c'est la que vous connaissez. Oui, oui, c'est mon quotidien. C'est le quotidien. Mais c'est pas le même pommade. Ouais, mais est-ce que vous connaissez cette expression-là? Ah, laisse le beurre en pommade. Oui, okay. Moi, je ne connaissais pas, mais c'est une belle image. Voilà, c'est mieux pour pouvoir travailler le beurre puisqu'on a. Et autres, là, tu es des pâtissières aussi, hein? L'expression pommade, le beurre en pommade. Eh ben, il y en a un, nous n'a, mais tu connais pas ça, moi. Oui. Ben donc ce soir, ça dort un peu plus bonheur parce que quand on connaît quelque chose, on dort un peu plus tôt parce que on dort un petit peu moins con. Donc du coup, c'est normal que l'on dort un peu plus tôt, hein, parce que c'est important, on dort un peu plus tôt, hein. Voilà, voilà, exactement. Il y a tellement carré, vous faites, vous ne pas si ça dort aussi bonheur que ça. Oh là là. Mais c'est pas grave, ce soir, c'est la Saint-Sylvestre. Ce soir, on est le 31 des. En 2020, voilà. Et tout à l'heure, il y a 2021 qui apparaît. Et nous fait la fête. Voilà, avec les gestes barrières, avec toutes les précautions voilà. Qui s'imposent. On sera 6 à table ce soir aussi. Oui, hein. Oui, hein? Très bien. Voilà, voilà. Hein? Alors donc, ça continue. Hein? Ça, voilà, ça commence à prendre forme. Voilà, voilà. Hein? Tous les ingrédients, oui. Ça va être à peu près 1 kilo. À partir d'un kilo. Elle est encore trop collante. Elle est trop collante la là. La pâte est trop collante là. Et après, il faut bien pétrir pour avoir le côté moelleux. Tout à fait. Il faut mériter son pâté créole après moi. Ah, hein, oui, il faut le mériter. Ouais, hein. Voilà. Et c'est pas du tout d'huile, mais c'est que du beurre. Hein. Du beurre. C'est que après, du beurre, on peut mettre de l'huile de curry poulet aussi. Il y en a qui mettent. On peut faire curry poulet, prendre l'huile du curry poulet. Du curry, parce qu'on va mettre tout le poulet et goûter. Et après, on va utiliser cette huile-là. Au contraire, elle aura le safran, le goût et les meilleurs. Ah, n'est-ce pas, ma Sabine? Ouais. Dis Sabine comme ça, la prochaine fois, là. Il va lui faire un aussi. Ah, c'est ah oui, Sabine connaît bien. Il connaît. Ah, ouais, d'accord. Mais comme il dit, on a tellement de valeur à Saint-André, mais il n'a pas la place, quoi, qu'il y ait. Écoute pas, nous va grandir prochaine fois. Et comment ça sentir l'odeur là? Ah oui, là on voit le mélange. Après 15 minutes de pétrissage, on pétrit depuis un bout de temps là. Hein? Ah oui. Hein. Ah ouais. Oui. Là on est déjà le premier Jean-Claude, on n'a pas terminé. Et tu as dit que tu fais une trentaine comme ça par jour. C'est les périodes de fête, oui. Ouais, 30 comme ça. Hein. Voilà, à peu près. D'accord, ouais. Et juste pendant que tu pétris comme ça, là, où est-ce qu'on peut te rencontrer, te trouver? Sur notre exploitation, 206 chemin Beauvéager. Voilà, voilà. Ah, il y a des cartes ici. Et sur la page Facebook, les délices de Préma. Les délices de Préma. Et Préma, ça s'écrit comment? P-R-E-M-A. Ah, aussi simple que ça. Des fois, j'ai l'impression que je suis compliqué, mais c'est très simple. Prima. Ouais, Prima, P-R-E-M-A. C'est voilà. Beau et c'est simple à la fois. Voilà, voilà, hein, voilà, voilà. Voilà, regarde ma pâte. Elle est souple. Ouais. Mais parle pas, qu'on m'a dit. Voilà. Ah oui. Ah oui. Ouais. Ah, oui. Ah. Ouais, sentez ça, sentez ça.
C'est pas fini. Stéphane, mais en santé, hein. Mais ça nous la... Mais pas trop longtemps, mais il va manger à lire la cuisson. Hein. Voilà. Après, on peut, pour assouplir, on fait ça. On bataille comme ça. En fait, c'est pas un petit frère. Il tape un peu comme ça avant de mourir. C'est ça. Boum. Mais là, avant, les gens longtemps avaient pas un nœud pétrin de ça. Donc, il fait ça pour assouplir la pâte. Mais il est important de pétrir comme ça, parce que pour le rendu final, après, quand tu manges. Par exemple, la passe une mauvaise journée, ben fais pas des créoles, il défoule. Ah, il défoule. Arrêtez la pâte gaillarde. On le tape sur les autres. On tape sur le pâte. Si monsieur, il vous met à main en colère, ben il fait un pâté créole. Voilà, exactement, vous faites un pâté créole. Ouais. Mais comme monsieur ne met pas jamais en colère, vous faites même le pâté créole pour faire plaisir à lui. Il est trop gentil. Parce que j'aime trop manger ce genre de gâteau-là. Non, mais dis, j'aime trop ma femme pour me mettre en colère, peut-être. Mais j'aime trop manger le pâté. Ah, bien livré un secret, au IM. Votre femme par rapport au pâté créole alors. Mais c'est un des attraits, pas le seul. Voilà, exactement. Heureusement, mais on peut être un peu médiateur, sinon on va prendre casse à ça. Alors, je prends un petit peu de pâte. Ouais. Voilà, j'ai un petit moule, pas besoin de graisser, rien. Pas besoin de graisser, rien. Ça va pas coller au fond, non? Non, moule aluminium, non. Ah, moule d'aluminium, hein. Le moule d'aluminium, il ne colle jamais au fond, hein. Voilà, hein. Mais là, c'est graisse, rien, rien de ça. Voilà, hein. Et donc, si on veut conserver pour l'éternité, on laisse comme ça et on met ses empreintes à l'intérieur. Hein? C'est ça, hein? Voilà. Voilà, hein? Voilà, voilà, voilà. Hein? La pâte d'en dessous doit être un petit peu plus fin que celui qu'on va prendre pour recouvrir le pâté. D'accord. C'est pour ça que tu t'apportes un petit peu comme voilà, ça. Voilà, j'étale bien. Là, il est étalé. Regarde comment il est fin. Ouais. Voilà. Julie, tu vois comment c'est fin, hein? C'est bien fin. C'est bien fin, hein? Mais nous tous ici, on est un petit peu fin aussi. N'est-ce pas? Ah oui, Samy peut témoigner. Alors, j'ai préparé un petit, bon petit curry. Alors, ça, c'est un curry traditionnel. Un curry de poulet, traditionnel. Curcuma pays, tomate pays. Voilà. Volaille pays. Voilà, exactement. Sans les os. Sans les os, parce que dans un pâté créole, on met pas les os, non? Non. Jamais, ça se fait pas. Hein. Ah oui, et pas marmite, si tu as des commandes, c'est pas marmite. Ouais, c'est on ne met pas trop l'huile, mais ils mettent un petit peu quand même. Il y a la sauce du curry. Il faut étaler un peu. Voilà. Voilà, pardon. Voilà, tu as des bons morceaux de viande. On mange vraiment un pâté avec de la viande. Quoi. Avec de la viande. Faut pas manger un petit bout de viande et après on trouve bien que la farine sur le côté. Quoi. Il faut bien garnir. Et il faut mettre bien au milieu. Il faut bien mettre au milieu. Voilà. Parce qu'on va couvrir notre pâté créole après. Hein. Voilà. 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 On va dire là. On met un petit bout là aussi. Voilà. Il n'y a pas trop de tout. Voilà. On fait comme ça. Et là, je vais récupérer ma pâte. Oui. Je vais prendre un peu pour faire des petits dessins, des petites fleurs. Ouais, sur lequel tu vas écrire dessus 2021. Voilà. Hein, il paraît, ouais, parce qu'on traverse l'année là ce soir. Oui, hein. On va le faire, voilà. Je vais retirer assez, alors. Comme ça, voilà. Ouais. Enfin, 2021, mais on aurait pu écrire un petit coup. Quoi? Mais qu'est-ce pas moi, 2021 est bon. Vive Saint-André. Ah, effectivement. Ah, ben ça, c'est ça. Oui. J'ai vu l'heure. Pour la prochaine fois. Nous préférons dire vive Saint-André. Alors là, maintenant, c'est en silicone, hein, voilà. On peut prendre autre chose. Hein. Ouais. Voilà. Et là, on a l'instrument de torture. Par excellence. Voilà. Hein. Là-dedans, comme ça, hein, il faut qu'on dise chérie, je t'aime. Voilà. À chaque fois. Sinon, si tu n'es pas sage, voilà ce qui t'attend. Tout à fait. On plaisante. Ah oui. Ah, monsieur Antier est gentil et il aime plaisanter. Bon, la pâte est belle. Il tombe bien, alors. Oui. On voit la pâte comment elle est belle quand tu l'éteins comme ça. Ah, ouais. C'est brillant. La réussite d'une bonne pâte, c'est quoi? C'est le mélange? Mais je pense qu'il faut bien pétrir. Il ne faut pas négliger cette étape-là. Ça va rendre moelleux, la pâte, comme ça. Ouais. Alors, je vais mettre dessus. Regarde comment je prends là.
Ah oui, comme quand tu fais des chouchis, ouais, des Et comme une tarte ou bien un paille, comme voilà, on dit. Voilà, voilà. Et donc là, on ferme bien les bords. Voilà, hein? On ferme. Comme ça. Pas avoir peur parce que les malias, donc voilà. Et là, on va faire ça. On va souder les bords. Voilà. Ok. C'est du travail quand même, c'est un savoir-faire. Mais il y a beaucoup de plats français aussi qui ressemblent à ce plat-là. Hein, quand on parle des pâtés en croûte, par exemple. Oui, hein, oui, oui, oui. Hein, quand on parle de pâté en croûte, un pâté en croûte, c'est aussi une pâte dans laquelle on a mis à l'intérieur une tourte aussi. Hein, aussi, aussi, aussi. Hein. Voilà. Hein. Et bien celui-là est typique réunionnais. Hein. Oui. Ça, c'est à nous, ça. C'est hein, à nous. Comme dit Créole, à nous ça. Et c'est un sucré salé au dessert. Voilà. Hein. Là, aujourd'hui, on a fait du salé, là. Hein, mais on aurait pu faire du sucré. Hein. C'est pas pour une blague, mais nous, nous l'a dit et nous l'a fait. Hein. Voilà. C'est pas moi qui dis, mais... C'est Stéphane qui dit. C'est pas bon. 2020, c'est vraiment essayé, mais on n'est pas trop au bout là-dedans. Hein. M'y fait fleur, mais... Il y arrive. Hein? Elle est gagnée. Tu veux faire? Vas-y, allez, apporte ta petite touche. Ah, voilà, voilà. On a des pâtissières avec nous. Voilà, voilà, voilà. On a les meilleurs pâtissiers, nous. Mi-bois. Ils sont les meilleurs pâtissiers chez nous. Encore, Vincent, ça nous revient avec tout ce que nous l'emmène pour depuis cet André-là. Jean-Marie nous revient, nous. Bien sûr, il y a une équipe qui revient. Quand il dit cet André, il dit l'équipe de choc. Ouais. Hein? N'est-ce pas, Julie? Oui, oui, voilà. Plus un Z. Hein. Voilà. Ah oui. Ah, c'est joli, hein? Mais migration, oui. Jean-Claude, mais dépensé très loin de chez lui. Voilà. Elle est jolie, hein? Bravo, Julie. Bravo, merci. Je vais récupérer ma pâte. Je vais mettre un petit peu. Voilà. Donc, on va enfourner après. Hein. Ah, Préma, c'est aussi un nain. Hein. Oui. Hein, c'est aussi un nain. Hein. C'est un nain, oui. Ah, peut-être un petit que tu veux, voilà, vas-y. Après, on va badigeonner avec jaune d'œuf seulement. Voilà. On va appeler Madame Badigeon tout pour badigeonner. Voilà. Madame Badigeonnage. Ben voilà. Oui, hein. Voilà. Et on va mettre au four. Et au four après, hein. Voilà. D'accord, le four est déjà chaud. Voilà. On a fait des choses, ça, quand même. Ah, oui. On a appris des choses. Voilà. Et voilà. Et tu badigeonnes pour le côté un petit peu brillant de la du pâté créole. Voilà, c'est ça qui va faire le. Par exemple, là, on a un pâté créole déjà fait. C'est ça qui va faire se dorer là. Voilà. Hein. Oui. Oui. Le bâton. Un petit cœur pour que 2021 soit meilleur que 2020. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà, hein. L'amour, la paix, la santé, tout ce qu'il faut, quoi. Voilà, exactement. Hein. Et les années PA, vous avez un PA ou plutôt un PA. Ah bah oui, 2020, c'était pas mon fort. Ah ouais, ouais, à mon avis, pas le fort de tout le monde. Voilà, hein. Voilà. C'est pour ça qu'on espère que 2021 soit meilleur pour ce tout le monde. Voilà, exactement. C'est difficile de faire plus mauvais que 2020. Donc, on a toutes les chances que ça s'améliore. Ouais. Et puis, on a des perspectives, même sur la Covid-19. Qui sont plutôt positives avec le vaccin. On va enfin sortir de ce de cette pandémie. Il faut y croire. Il faut y croire. Voilà, voilà. Hein, nous trois. Hein. Ah oui, on a déjà 2021. Enfin, dans un instant, on n'est pas encore arrivé. Encore là, hein, dans un petit instant encore. Hein, en espérant que je sois mieux 2021. Ouais, ouais. Il est 10h30. Parce que j'ai été gâté 2020. C'est l'année où on n'oubliera pas de sitôt, ça. Hein. Ah ouais. Il sera bien doré. C'est bon, là, on voilà, le pâté est presque cuit, oui. Presque prêt plutôt, pas encore cuit. Et là, on va enfourner. Thermostat 5, c'est-à-dire 150 degrés. Voilà, et 150, à peu près 50 minutes. 50 minutes. Et ceux qui veulent 180 degrés, il faudra surveiller dans les 40-45 minutes. D'accord. Mais un pâté créole prend le temps, fait cuire aller doucement. Comme ça, la pâte reste moelleuse. Donc, le feu, il est plus ou moins doux à 150 degrés. Voilà. Il est plus ou moins doux. Comme là, ça, hein. Le pâté n'est pas trop sec après. Ah, oui, oui, après, il ne trempe pas. Le pâté qui étrangle, c'est une cuisson forte et vite. Ah, d'accord. Donc, la cuisson était trop rapide, le pâté qui étrangle alors. Voilà. Donc, c'est pas une question de beurre qui était mis à l'intérieur. Tout, de pétrissage et tout. Mais après, si vous mettez trop fort, ben, ça va dessécher le pâté trop vite. Ah, d'accord. Ben, il est bon. Ben, voilà. Ça va mettre au four. Alors, voilà, allez, au four. Au four. C'est parti.
150 degrés. 150 degrés, ouais, 50 minutes. 50 minutes. Voilà. Quand elle est bien dorée, c'est bon. Et voilà, on va laisser le four faire le travail. Bravo. Bonne année 2021. Bonne année 2021. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Oui. Non, fais en blanc là. Je suis timide. Tu es timide? Non, je suis timide. Ah, tu m'imites là. Tu m'imites. D'accord. Bon, okay. Alors, c'est bon, c'est fini, c'est bon. Alors, le pâté est prêt. Là, on va enlever du four. Oui. On va laisser refroidir un pâté créole, on doit bien laisser refroidir. D'accord. Sinon, okay, ça va se casser en miettes. Mais bon. Et après, on va déguster. De toute façon, on va attendre minuit, au moins comme ça, on passe en 2021. Voilà. Hein? Et au moins comme ça, on va déguster ensuite. Exactement. Mais bon, alors, allez. Hein? Allez, allez, c'est bon. Hein? Et la cloche a sonné. Ça a sonné, ça a sonné. Ah, c'est bon, ça voilà, fort, ça a bien doré. Ouais. Ça a bien gonflé. Oui. 2021, elle est là. Et voilà avec un cœur à côté. Voilà, avec un petit cœur à côté. Parce que ça a été fait avec amour. Exactement. Hein? Et avec le souhait que 2021 sera meilleur. Pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Les bons.